instructions pour que nous fassions des plans pour que nous anticiper à ce que nous avons besoin de l'alliance que nous avons pour que nous indiquions ce que nous avons projet ici dans la banlieue, mais également c'est il y a un projet qui nous amène voir l'enco 5 vite banlieue pour répondre bien sûr qui nous amène membre population y donne voir qu'est-ce qui aussi qui Djoko Akmaki du département de Kermassar Khalei voir un petit problème qui est dans qui s'assit le président de la République Djok Nigel qui nous amène moi Samuel Natango le ministre en charge de l'urbanisme pour voir qu'oni nous nous gêne gavé nous lui ok quota bien nous amène moi le cœur massard ham qui s'assit ministre lui quel une à disposition en rapport bien entendu avec les autorités territoriales ben t'as dit moi lui voir bien quel une nous parle lui 225 jeunes du dolé ko ci jeune yi nga xamné jëlone nañu len ci walu secteur l'urbanisme ñu yok ci lim bi nga xamné jëlone nañ ko ci jëlbeen tay gi nak ñu fi ci rue de Boul nak ñepp xamnañ né rue encombré la wayé damay wax né préfet ak ñimu andal ñepp ma ngi len di wax né fi ngeen tek sen banque fofu la liñu jotta gis ci li nga xamné mom moy désencombrement bi ñu tambali fi ñu ñu dafa gis ci li nga xamné mom moy nettoyement bi ñu engagé tay dal na xam waye nak dama bëgg wax ni bëssu sétal nekkul rek bëssu sétal bi nga xamné dañ koy def ci département yëm bo moment bi may wax ak yeen 44 yeneeni 44 département yi nga xamné moy Sénégal 44 départements, il y a deux déjà. Il y a deux déjà. Il y a Kermassar on est à Kermassar et à Pikine. Donc il y a un département qui est tambaliné. Donc au même moment, action humaine. Lorsque nous avons non seulement nous bagnons que bus, bien ramené, bien utile, nous beaucoup qui sur agenda, nous bagnons que avec bus ou premier samedi de chaque mois, mais nous n'est que bëssu bo xamné sa yu ñu yéwo ñu wara netal sétal suñu dekuway ñu wara sétal suñu quartier ñu wara sétal suñu commune ñu wara sétal suñu ville ñu wara reboiser également gis ngeen ni légui Non.
qui avait un seul objectif, c'est de trouver les actions urgentes à mettre en œuvre très rapidement pour soulager et pour répondre de manière efficace à la demande des populations. Je pense que parmi les demandes des populations qui ont été formulées lors des Yoko Armati, figurait en bonne place cette demande de trouver un quota supplémentaire pour le département de Massar. Le président lui-même, en séance tenante, a donné des instructions au ministre en charge de l'urbanisme pour donner un quota supplémentaire à Massar. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, on a 225 jeunes qui ont été recrutés dans le département de Massar en complément du nombre qui a été recruté auparavant. Ce matin, nous sommes ici dans l'axe de Boule, que vous connaissez très bien, axe reconnu par son encombrement. Et il faut féliciter le préfet du département de Massar pour le travail et l'ensemble des parties prenantes pour le travail qu'ils sont en train d'abattre depuis ce matin. Je voudrais également féliciter les préfets qui ont organisé des CRD en rapport avec l'ensemble des services pour que cette journée soit une réussite. Je pense que nous avons choisi Pikin et Massar. Ça ne veut pas dire que la journée elle est circonscrite au niveau de ces deux départements, mais c'est une journée nationale. Au même moment, dans les autres 44 départements, les mêmes activités sont en train de se dérouler. Nous voulons que les Sénégalais aient un réflexe de nettoyer les communes, de nettoyer leur département, parce que telle est la volonté du président de la République, de rendre les villes propres, de rendre les axes propres, les axes routiers, les axes autoroutiers, de rendre les établissements propres. Donc je pense que nous sommes partis pour atteindre cet objectif. Il faut féliciter le secrétaire général du ministère en charge de l'urbanisme, l'ensemble des directeurs parties prenantes de cette opération, les féliciter du CG pour cette mobilisation. Je remercie également le directeur des eaux et forêts à ce conservation. Nous avons tout à l'heure planté après avoir présenté. Remercier le directeur de l'environnement et des établissements classés du ministère de l'Environnement. Nous avons vu ces unités, ces équipes sur le terrain chargées de la parfaite organisation de cette activité de ce matin qui est inscrite désormais dans l'agenda. Comme vous le savez, nous avons été pénalisés pendant des moments, et ce qui a causé un moment de répit lié à la pandémie de Covid-19. Nous avions arrêté des activités et le 4 décembre 2021, Son Excellence Monsieur le Président de la République a donné des instructions et lui-même a présidé le lancement de la reprise des activités de Bossou Setap, qui est la journée de nettoiement national. Ça en est suivi le 2 janvier à Saint-Louis, le 4 février à Sédou et le 5 mars à Kaolack. Et nous sommes aujourd'hui 2 avril à Massar et à Pikin. Pourquoi le choix de Massar et de Pikin? Vous avez tous suivi le dialogue interactif entre Son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre de ce qu'on convient d'appeler Yako ak Macky Sall. Les populations, de manière directe, ont émis des souhaits au Président de la République et
nous avons reçu des instructions pour matérialiser les directives du président de la République à la suite de ces deux Diokto ak Macky dans le département de Kermassar et dans le département de Kermassar. Cela veut dire que des actions d'envergure pour répondre efficacement à la demande des populations formulée lors des Diokto ak Macky, les ministres ont reçu des instructions en rapport bien entendu avec le gouverneur. D'ailleurs, un CRD a été organisé dans le département. Ah.